Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ces beaux vases. Regardez. Vous pouvez mettre des fleurs à l'intérieur pour décorer votre table. Voilà, soit des fleurs que vous avez crochetées ou des fleurs artificielles. Vous voyez? Voilà, le vase mesure en total 17 cm. Voilà, vous pouvez le réaliser plus grand ou plus petit. En changeant par exemple le fil, vous allez prendre un fil plus épais ou plus fin. Vous voyez, c'est très facile à réaliser. Dans la vidéo, je vous donne toutes les mesures. Ici et par là, dans chaque partie, je vous donne combien elles mesurent. Voilà, n'hésitez pas de partager la vidéo et de me laisser des pouces bleus si vous avez aimé le tuto. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour les réaliser. Pour crocheter le vase, j'ai utilisé de l'i-cord de chez Lydia Crochet Tricot. Voilà. C'est un fil 100% coton qui se crochette en 5-6. Voilà. Et j'ai utilisé aussi deux fils de chez Ziman, ça s'appelle Party. Voilà, regardez, il y a un côté brillant dans le fil. Voilà, ce fil se crochette en crochet 3-4. Et je l'ai doublé pour faire ici les finitions. Vous voyez, j'ai doublé le fil ici et ici en bas. Voilà, c'est un fil 91% acrylique et 9% fil métallisé. Là, le fil brillant à l'intérieur, vous voyez. Voilà, et j'ai crocheté tout ça avec un crochet de 4 mm. Il vous faut ici une aiguille à laine pour cacher les fils et une paire de ciseaux. Voilà, on va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer par faire la partie d'en bas, ici. Vous voyez? Donc, je vais prendre le fil. Je vais commencer par faire un cercle magique. Et je vais le fixer avec un nœud coulant. Voilà. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième. Voilà, je vais fermer le cercle. On a terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais prendre tout d'abord le marqueur parce qu'on va travailler en spirale. Donc je vais piquer sur la première maille. Le deuxième rang, on va faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, on va faire une augmentation. Donc la première maille, je vais faire une augmentation. Voilà, et je vais marquer la première des deux. Voilà, maille suivante, une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Voilà, je vous laisse terminer le deuxième rang en faisant une augmentation sur chaque maille. Et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Et on se retrouve. Le troisième rang, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une maille serrée individuelle. Voilà, et je vais la marquer. Maille suivante, une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Voilà, on va répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, j'enlève le marqueur. Je vais faire deux mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. Maille suivante, une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. Deux mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le cinquième rang, on va faire trois mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. Deux
la deuxième maille serrée individuelle, la troisième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de maille serrée dans la même maille. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le sixième rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. 2, 3, la quatrième. Dans la maille qui suit, on va faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. J'ai terminé le sixième rang et regardez là, quand vous crochetez avec un fil épais, vous constatez que le travail commence à se plier comme ça. Vous voyez, ça c'est normal. Regardez, vous allez faire comme ça. Vous tirez sur tous les côtés. Et après, ça va prendre sa forme plate. Vous voyez? Maintenant, on continue. Le septième rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles. La première maille, je vais la marquer. 2. 3, 4 et 5. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Le huitième rang, j'enlève le marqueur. Et je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première maille, je vais la marquer. 2, 3, 4, 5 et la sixième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 48 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le dessous de vase. On va le mesurer ensemble. Comme ça, si vous crochetez avec un autre fil, vous suivez les mesures. Donc là, ça fait 10 cm. Vous voyez? Voilà. Donc vous allez faire le dessous 10 cm. Voilà, on va continuer maintenant. Maintenant, on va faire la hauteur. Regardez, on va faire cette partie d'abord. Après, on va faire ça. Donc, on va commencer ici. J'enlève le marqueur. Je vais travailler toujours en spirale. Maintenant, le rang que je vais faire maintenant, je vais le compter comme le premier rang. Donc, on va piquer, on va prendre le brin arrière de la maille. Vous voyez, regardez, je vais piquer dans le brin arrière de la maille et je vais faire une maille serrée. Et cette première maille, je vais la marquer. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. On va faire que des mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Voilà, brin arrière, maille serrée. Brin arrière, maille serrée. Vous voyez? Brin arrière, maille serrée. Voilà, je vous laisse terminer ce rang et on se retrouve. J'ai terminé le premier rang en maille serrée individuelle, comme vous voyez. Maintenant, on va commencer le point fantaisie. Vous voyez là? Regardez, on va faire ce point. Donc, j'enlève le marqueur et regardez, dans la première maille ici, je vais faire une maille serrée individuelle normalement. Vous voyez, une maille serrée individuelle. Je vais marquer la première maille
Dans la maille qui suit, au lieu de piquer ici, comme on pique normalement dans la maille, je vais piquer en bas de la maille. Vous voyez? Regardez. Ici, c'est la maille. Ici, il y a les deux brins. D'habitude, on pique ici. Donc, je ne vais pas piquer ici, mais je vais piquer en bas la maille. Regardez, il y a un trou ici. Vous voyez? Je vais piquer ici. J'attrape le fil. Je le tire un petit peu. Et je vais faire ma maille serrée. Donc, on va alterner ces deux mailles. Dans la maille qui suit, on va faire une maille serrée individuelle normalement. Dans la maille d'après, je vais pas piquer ici, mais je vais piquer en bas la maille. Vous voyez? Je tire un peu le fil et je vais faire ma maille serrée. Vous voyez? On va alterner ces deux mailles. Donc, dans la maille qui suit, une maille serrée individuelle normale. La maille d'après, je vais piquer en bas. Je tire un peu le fil et une maille serrée. Maille qui suit, maille serrée individuelle normalement. Et dans la maille qui suit, je vais piquer en bas. Je tire un peu le fil et maille serrée. Vous voyez? Regardez. Donc, dans la maille qui suit, une maille serrée normale. La maille d'après, je vais piquer en bas la maille. Je tire un peu le fil. Et voilà. Maille serrée normale. Maille qui suit, maille serrée, je pique en bas la maille. Voilà, j'alterne ces deux mailles. Vous voyez, c'est très facile à faire. Voilà. Maille serrée normale. Maille serrée suivante, je pique en bas de la maille. Voilà. Je vous laisse terminer le deuxième rang et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le deuxième rang. Comme vous voyez, le troisième. Regardez, la première maille, c'est une maille serrée normale, vous voyez. Donc, je vais inverser les mailles. Si je vois ici une maille serrée normale, donc ça veut dire que je vais faire une maille serrée en piquant en bas de la maille. Vous voyez? Et je vais marquer cette première maille. Voilà. Dans la maille qui suit, je vois que c'est une maille. Regardez, j'ai piqué en bas. Donc, je vais piquer normalement. Je vais inverser les mailles, en fait. Vous voyez, maille suivante, c'est une maille serrée normale. Donc, je vais piquer en bas. Maille suivante, je vois que j'ai fait une maille serrée que j'ai piqué en bas. Donc, ici, je vais faire une maille serrée normale. Vous voyez, je vais inverser les mailles. Ici, une maille serrée travailler normalement, donc je vais piquer en bas de la maille. Je vais inverser ce que je vois. Donc ici, maille serrée du rang précédent, j'ai piqué en bas. Donc ici, je vais piquer normalement. Maille suivante, je vois que c'est une maille serrée normale, donc je vais piquer en bas. Voilà, là c'est une maille serrée où j'ai piqué en bas, donc je vais faire une maille serrée normale. Vous voyez, vous inversez les mailles. Voilà, je vous laisse terminer le troisième rang et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le troisième rang. Maintenant, les rangs qui suivent, on va faire pareil. Dès qu'on voit une maille normale, regardez là, au début, il y a une maille. Regardez, j'ai piqué en bas. Vous voyez, c'est long ici, donc c'est une maille que j'ai piqué en bas. Donc, dans ce rang, je vais piquer en haut. Pour faire une maille serrée normale et je vais marquer cette première maille. Voilà, dans la maille qui suit ici, une maille serrée normale, ça se voit très bien. Vous voyez, regardez ici, si c'est long comme ça, c'est à dire c'est une maille où on a piqué en bas. Ici c'est petit, c'est à dire c'est une maille normale. Vous voyez le résultat? Voilà, je continue ici. Là, je vois une maille serrée normale, donc je vais piquer en bas de la maille. Vous voyez là?
Ça se voit très bien. Il y a un trou ici en bas. Vous voyez? Donc, je vais faire une maille serrée. Je tire un peu le fil comme ça. Et voilà. Maille suivante, une maille serrée où j'ai piqué en bas. Donc, cette fois, dans ce rang, je vais piquer ici. Je vais faire une maille serrée normale. Là, une maille serrée normale. Donc, je vais piquer en bas. Voilà. Vous allez terminer comme ça. Là, on a fait... Regardez, pour compter les rangs, regardez, vous comptez ici. Regardez, je vous montre ici, c'est mieux. Regardez. Là, on a fait déjà le premier rang des mailles serrées individuelles. Après, regardez, si vous voyez des mailles comme ça, c'est-à-dire c'est un rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, c'est comme ça que vous comptez les rangs. Donc là, on est en train de faire le quatrième rang. Donc, vous allez continuer comme ça en alternant ces deux mailles jusqu'à terminer le 17e rang. Donc, du premier rang au 17e. Je vous laisse terminer ces rangs et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé, comme vous voyez. Regardez, on va compter les rangs ensemble. Ici, le premier rang, on a déjà fait que des mailles serrées individuelles. Donc, ça, c'est le premier rang. Après, vous comptez ici. Les mailles qu'on les voit très bien ici, vous voyez. Donc, ça, c'est le premier rang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous voyez, on a fait 17 rangs. On va mesurer ça. Regardez, 10 cm. Vous voyez? Et vous allez constater que la dernière maille, c'est la même. La première maille du rang, c'est-à-dire si vous terminez ici avec une maille serrée normale, vous allez commencer avec une maille serrée normale. Et si vous allez terminer avec une maille serrée en piquant en bas de la maille, vous allez commencer avec une maille serrée en piquant de la en bas de la maille. Vous voyez, et on voit pas la différence. Regardez ici, regardez, tout est pareil. Vous voyez? Voilà, maintenant on va faire cette partie. On va commencer. Donc on va compter ce rang comme le premier. J'enlève le marqueur. Et là, je vais prendre le brin arrière de la maille. Vous voyez, je vais prendre que le brin arrière et je vais faire une maille coulée. Et je vais marquer la première maille. Voilà, maille suivante, brin arrière, maille coulée, maille suivante, brin arrière, maille coulée, maille suivante, brin arrière, maille coulée. Vous voyez, maille suivante, brin arrière, maille coulée. On va faire que des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Voilà, je vous laisse terminer le premier rang et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, c'est pareil. On va travailler en maille coulée en prenant le brin arrière de la maille. Voilà, je vais piquer brin arrière de la maille, maille coulée. Et je vais marquer la première maille. Et je continue comme ça. Maille coulée en prenant le brin arrière de la maille. Voilà, brin arrière, maille coulée, brin arrière, maille coulée. Voilà, je vous laisse terminer le deuxième rang et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le deuxième rang. Maintenant le troisième rang, j'enlève le marqueur et je vais travailler pareil. Je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. La première maille, n'oubliez pas de la marquer toujours. Et je continue. Brin arrière, maille coulée. Brin arrière, maille coulée. Brin arrière, maille coulée. Voilà, ça c'est le troisième rang. Vous allez continuer comme ça jusqu'au rang numéro 17. Vous voyez?
Voilà, vous allez terminer du premier rang au rang numéro 17 inclus. Vous allez avoir cette partie. Voilà, je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé toute cette partie, comme vous voyez. On va la mesurer ensemble. Voilà, ça fait 6,5 cm. Vous voyez? Donc, maintenant, ce que je vais faire, j'enlève le marqueur. Et cette dernière maille, déjà, je ne vais pas la compléter, je vais changer de couleur. Je vais prendre la nouvelle couleur. Regardez, j'ai doublé le fil pour avoir la même grosseur que ce fil. Donc, ici, je vais faire un nœud coulant. Voilà, et je vais passer cette boucle à travers ces mailles. Voilà, maintenant je vais faire un nœud avec ces deux couleurs. Et je coupe ce fil. Voilà, je mets ça à l'intérieur, après je vais les cacher. Voilà. Maintenant, on va décorer le vase. Regardez, on va faire cette partie en haut, ici et ici en bas. Vous voyez? Donc, on va commencer. Regardez, je vais faire une maille en l'air. Ici, on va faire le point d'écrevisse. Donc, on ne va pas travailler de côté gauche, mais on va travailler de côté droit. Donc je vais piquer, regardez, j'ai le crochet comme ça, au lieu de piquer comme ça, je vais piquer sens inverse. Vous voyez, je vais prendre le brin arrière de la maille, je pique, j'attrape le fil, vous voyez, regardez comme ça, j'attrape le fil et je fais une maille serrée. Vous voyez, encore une fois, regardez, je pique dans le brin arrière de la maille, j'attrape le fil. Regardez, vous tirez un peu, vous laissez pas la maille serrée, vous voyez, et une maille serrée. Encore une fois, je pique, je vais prendre le brin arrière de la maille, j'attrape le fil et une maille serrée. C'est le point d'écrevisse. Encore une fois, je pique, je vais prendre le brin arrière, je récupère le fil, je tire un peu et je fais ma maille serrée. Vous voyez? Encore une fois, je vais prendre le brin arrière de la maille, je récupère le fil et maille serrée. Encore une fois. Voilà. Alors, vous voyez, vous prenez le brin arrière de chaque maille. Voilà. Voilà, vous voyez? Regardez le résultat. Voilà, je vous laisse terminer ça et on se retrouve ici à la fin. Voilà, j'ai terminé le tour. Maintenant, regardez. J'enlève le crochet. Je vais piquer ici. Vous voyez ici? On a commencé à faire la première maille. Donc, je vais piquer ici par l'arrière. Je vais récupérer cette boucle. Et je vais la faire passer par derrière. Vous voyez? Et je vais faire une maille coulée. Voilà, je tire. Et je vais couper le fil. Et je tire.
Voilà, après ces fils-là, je vais les cacher à l'intérieur de ce fil. Voilà, vous voyez le résultat? Regardez. Comme ici, vous voyez? Voilà, on continue. Je vais prendre encore le même fil. Je vais faire un nœud coulant. Voilà, je sors le crochet. Maintenant, je vais prendre le vase et je vais le mettre dans ce sens. Vous voyez, on va faire la partie d'en bas, comme ici. Vous voyez? Donc, je vais piquer ici dans une maille. Je récupère cette boucle. Et je vais faire une maille en l'air. Vous voyez? Maintenant, je vais piquer dans la maille suivante. J'attrape, regardez, il y a des brins ici. Vous vous rappelez, on a travaillé dans le brin arrière. Il nous reste le brin avant ici. Donc, je vais piquer dans la maille suivante. Et je vais faire une maille coulée. Dans chaque maille, je vais faire une maille coulée. Vous voyez, maille suivante, maille coulée. Maille suivante, maille coulée. Maille suivante, maille coulée. Maille suivante, maille coulée. Vous serrez pas trop, hein? Regardez, vous voyez le résultat? Voilà, je vous laisse terminer tout le tour comme ça et on se retrouve ici à la fin. Je suis arrivée à la fin, regardez, je vais sortir le crochet, je vais piquer ici par l'arrière dans la première maille ici, vous voyez? Je récupère cette boucle et je vais la faire passer à travers cette maille, vous voyez, voilà, je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil. Et voilà, après ces fils là, je vais les rentrer à l'intérieur. Ça va rester à l'intérieur, ça va pas se voir. Vous voyez maintenant, regardez le bas. Maintenant, on va faire ici. Comme on a fait ici un nœud, vous voyez, regardez le contour, et après j'ai fait un nœud ici. Donc, je vais prendre le fil, je vais laisser au début une petite longueur, comme vous voyez. Je vais faire un nœud coulant. Voilà. Et je vais prendre le vase dans ce sens. Vous voyez, donc je vais piquer ici dans une maille, regardez, regardez ici le premier rang où on a pris, quand on a fait les mailles coulées en fait, le premier rang, on a pris le brin arrière, il nous reste ici le brin avant, c'est juste la première ligne, voilà, je vais piquer dans une maille, je récupère cette boucle, je vais la faire passer à travers cette maille. Voilà, et je vais faire une maille en l'air. Voilà, maille suivante. Je pique. Une maille coulée. Voilà, maille suivante. Je pique. Une maille coulée. Maille suivante, je pique. Une maille coulée, maille suivante, je pique, maille coulée, vous voyez? On va faire une maille coulée sur chaque maille. Voilà, maille suivante, maille coulée, maille suivante, maille coulée, vous voyez? Je vous laisse terminer tout le tour
jusqu'à arriver ici et on se retrouve. Regardez, je vais piquer ici dans la première maille. Regarde, j'ai terminé de faire des mailles coulées tout le tour. Je vais piquer dans la première maille ici et je vais faire une maille coulée. Voilà, et je tire le fil. Je vais laisser une longueur comme j'ai fait au début et je coupe le fil. Vous voyez, regardez, on obtient ça pour le moment. Maintenant, je vais prendre ces deux fils. Je vais faire tout d'abord un nœud. Et après, je vais faire ça. J'ajuste. Voilà, vous voyez, et je vais couper un peu ce fil. Et voilà, vous voyez, on a fait comme on a fait ici. Maintenant, je vais cacher tous ces fils. Regardez, le fil violet, je vais les cacher dans le fil violet. Et ces fils-là, je vais les cacher ici. Et ces fils là, je vais les rentrer à l'intérieur. Ça va pas se voir à l'intérieur, d'accord? Voilà, je vais cacher tous les fils et on se retrouve. Voilà, j'ai caché tous les fils, comme vous voyez. Regardez. Et voilà le résultat. Vous voyez? Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.